Effectivement, à seulement 1,90€ l'œuf mayonnaise, c'est le moins cher de Paris et c'est celui de Clément. Clément, vous êtes chef au Bouillon Racine dans le 18e arrondissement. Bouillon Pial, pardon, excusez-moi. Et vous êtes champion du monde de l'œuf mayo. Quel est donc votre secret? Racontez-nous. Le secret, déjà, c'est beaucoup d'amour. Et puis surtout, bonne qualité d'œuf, belle moutarde. On y met du vinaigre de Xérès, du vieux vinaigre de Xérès. Et on met de l'huile d'arachide pour la mayonnaise. Alors, vous avez réussi à séduire le jury avec pourtant un œuf mayonnaise qui, d'apparence, paraissait très simple. Est-ce que c'est de la simplicité aussi qui fait un bon œuf mayonnaise? Je pense que ouais, c'est la simplicité qui a gagné. Et puis, on a fait quelque chose qui nous correspondait. Et on a fait l'œuf mayo concert au Bouillon Pigalle. Et je pense. Après, j'ai vu ce que les autres concurrents faisaient. C'était vachement plus technique. Nous, on a fait quelque chose qui vraiment qu'on peut trop retrouver dans notre restaurant. Donc, je pouvais pas faire autre chose que ça. Et voilà, je pense qu'après on a mis des bons ingrédients et voilà. Mais je pensais pas gagner, mais je suis très content. Justement, vous me disiez, moi je vous ai dit champion du monde, vous avez dit que vous avez pris ça un peu au sérieux, mais aussi un peu avec le sourire. Sur le moment, quand vous avez préparé votre œuf, vous avez quand même été jugé par le parrain de cette édition, Yannick Aleno. Est-ce que vous avez eu un petit peu de pression? Un petit peu quand même, mais voilà, moi après quand je me suis dit bon, c'est championnat du monde de l'œuf mayo, ça fait un petit peu sourire quand on le raconte aux gens. Mais justement, le fait qu'il y a Yannick Aleno et plein d'autres bonnes personnes, je pense qu'il y a un petit côté sérieux aussi. Et donc pour le coup, moi j'ai trouvé, voilà, je l'ai fait à fond parce que comme je l'aimais, et voilà, pas plus, pas moins. Merci beaucoup. Alors vous le voyez, le champion du monde, eh bien, il est parisien, il est francilien, il ne coûte qu'€1,90€, c'est dans le 18e arrondissement de Paris. Foncez-y parce que pour 1,90€, il y a de quoi de se faire plaisir sans dépenser des fortunes.